Robert, c'est comment ça? La guette. Tu veux un chapeau de capitaine? Ouais, mais je l'ai amené un. Hein, t'as amené un chapeau? J'ai amené un habit. Un habit? Ben là. Un habit. Dans ton mic, là. Fait que ça commence de même. J'aime ça. En plus, j'ai pas de déo. Quand même fort, hein. Ah, tu sens le matelot. Tu sens le petit poisson des chenots. Ça sent l'eau salée. On connaît ça, nous autres. Ça sent le cale. Ah oui, oh, ce costume-là. Oh. Tu l'avais chez nous, maintenant. Ah ouais? Oui. Oh, on avait fait une vidéo, maintenant, d'Halloween. Tu couvais Kev. Je pense pas que avec Kevin Brunner. Ah ouais, ouais, peut-être. J'ai un seul costume de pirate. Tu veux juste que je tienne sur le micro, maintenant? Ouais. Ah, ben, t'as le bandana, moment que le podcast commencera pas là. Là. Ça, c'est, pas ben oui, bon, c'est pas un très bon moment. Hey, on audio. En a eu des pires que ça. Ouais. Bon, ben en attendant que c'est Big Gab, t'as-tu passé une belle semaine? Attends, ouais. Bienvenue à deux capitaines, un podcast. Et ouais. Un capitaine. Alors, quoi? Et, un pirate. Et le pirate arc. C'est le corsaire. On recommence ça. Ouais. Bienvenue à deux capitaines. Un podcast. Le pirate. Arc. Et... On recommence ça. Pourquoi? On ne recommence pas. C'est dégueulasse, un pirate, man. C'est quoi? T'as de l'air sale. Il est sale. T'as de l'air... Mais ton costume, first, t'as de l'air sale, mais t'as de l'air un pirate sale aussi. Ben, je suis sale. Ouais. J'aime ça. Une vraie salope. Ouais, on est avec, avec Kev. Là, le... Comment, hey, il a cogné le micro, ça va ouais, être... Ça va être c'est bon, bon, on continue, parce qu'après, moi, je peux le taper, le micro, puis ça passe. Non, on va recommencer, là. Non, un podcast, c'est ça. Non. C'est ça. C'est ça, un podcast. La spontanéité. C'est ça, un podcast. Ah ouais, non. Ouais, hey, bienvenue à deux, capitaine. Un podcast. On est avec Kev, le pirate sale. C'est quoi, ouais. t'es allé sur Internet, t'as piraté, t'as checké des leaks OnlyFans. Hein? Crosseur. Hein? Tu t'es crossé le crosseur, hein? Moi, je me crosse pas. Moi, quand je télécharge les League OnlyFans, c'est juste pour l'histoire. Les bouts de 4 secondes. Oui? Ouais. Ouais, moi, c'est ça que j'aime, là. Ils sont comme, ah ouais. Moi, ouais, j'ai vu des OnlyFans très malaisants dans la vie, là. C'est pas fameux, là. Ah ouais, t'as vu qui? Ben, le tien. Bon. OK. D'habitude, l'invité, il est pas là au début, mais on va faire avec. Ouais, tu vas écouter. Tu me dis, arrive à 7. Je suis arrivé à 7, et t'es comme pas prêt. C'est, non. C'est pas ma faute, là. Mais... Parce que d'habitude, on est pressé. On parce est. Que faut que je m'en aille. Mais là. Ouais, là, on joue à Magic après. Ben exactement, c'est ça. Wow, t'as-tu passé une belle semaine, Gab? Oui. Pas toi! Ouais, attends, c'est pour ça qu'ils attendent les invités. Ouais, parce que. Okay, reste là. Ah, regarde la terre. Bon. OK. Bon. OK. Ouais, j'ai passé une belle semaine. J'étais en vacances. Puis j'ai pas. J'ai fait assez d'affaires dans ma semaine de vacances, mais honnêtement, ce que j'en ressors de ça, c'est que j'ai comme hyper focus sur des machines à laver. Mais comme vraiment beaucoup, parce que moi puis ma blonde, on s'est fait donner des machines à laver par mes beaux-parents. Puis ben, j'ai tout mesuré, tu sais, parce qu'ils m'ont envoyé le numéro de modèle, tout mesuré, je suis comme nice, ça fit tout. OK, good, j'envoie le déménageur. Ah ben, tabarnak, man, le cadre de porte de la salle de bain, ça marche pas. Puis là, ça a été un beau défi pour moi et ma blonde. J'ai décidé qu'on démontait la machine à laver. Puis je me suis... Malade, je suis un fou. Tu comprends pas, là. Mais j'ai catché que... Tout seul... Tu pourrais pas remonter. Ouais. Tu pourrais pas remonter. Ça te prend une couple de petits messieurs vietnamiens pour ça. Ouais. Ouais. Non, mais c'est ça l'affaire. Vous avez pas confiance en moi, mais je l'ai fait, tabarnak. Puis, calice. Ça marche-tu? Ah, l'autiste, il a réussi à faire des Legos. Oui, c'est des Legos, genre, pour les adultes. Là, comme les électroménagers, Legos pour adultes. Puis, tabarnak, ma blonde, c'est-tu... Elle restait pognée dedans, non, ça. Mais elle l'a pété. Mais, c'est-tu que j'aurais aimé ça le faire tout seul? Oh! Non, mais c'est... C'est pire qu'un mobile Ikea, ça. Non, mais tu sais, quand t'es là, puis tu fais l'affaire... Pis là, la personne, elle chiole, mais tu fais quand même l'affaire, tu sais. Ouais. I'm fucking doing it. Ouais, c'est ça. C'est le nouveau podcast, là, des... tu sais, les gars, là. C'est comment ça s'appelle, eux autres, là? T'es pas des... Les gars. Les gars, là, les... 98% des podcasts. Non, mais les trois, je pense, sont deux. Ouais. Deux hosties de perdants lait. Non. Oh, deux chaises. Ils ont des casquettes de capitaine. Non, ça, c'est nous autres. Non, les deux hosties de perdants, là, qui... c'est son genre Sigma Male, un peu, là, pis sont comme, ouais, là... Ah, oh, tu parles-tu... J'ai plein de filles autour, mais ils parlent jamais. En français ou en anglais? Non, en français, okay, les Québécois. Ah. C'est genre des wannabe Andrew Tate. Oh, pas si t'as vu ça. C'est non, pas le genre non, de contenu. Moi, j'ai vu ceux que tu parles, là, que les filles sont là, ils sont comme. Oui. Ils se font fourrer d'argent, les filles, par exemple, en ce temps-là. Tant mieux, ça va être pénible en sacrément. Mais la raison pourquoi ils le font, c'est ça.
C'est, ils vont de là, ils se font comme blaster par des dudes, genre. Oh, ouais. Ils sortent de là avec plein de followers, OnlyFans, de gars qui sont comme « Ah, t'es con! » Ils se crossent. Ils se font donner 20$, ça. Fait qu'eux, ils trouvent ça drôle, là. Ils ont comme 20 minutes de... Ils se font payer je sais pas combien pour se faire roaster, puis au final, ils en gagnent. Ils en ressortent gagnants. Mais c'est ça. Mais là, j'ai commencé à avoir un problème, parce que justement, j'ai eu une hyper fixation sur la machine à laver. Mm. Comme, parce que là, en plus, elle passait pas dans le code porte, ouais. Mais elle passe pas dans mon lieu où est-ce que je les encasse d'habitude. Ouais, mais t'as-tu ouais. pensé ouais. mesurer avant oui. l'acquisition de la oui, dite. Mais tabarnak, je sais pas pourquoi, mais ça fait de pouce. Si t'es pas bon, d'une fois, non, mais comme je dis, j'ai 24-2 corps, tu le sais que c'est 24-2 corps, ouais, non. Hey, c'est des fucking grosses lavers. Puis là, j'ai réussi à les installer, mais genre, j'ai plus d'espace dans la salle de bain. Puis là, c'est fucking drôle, parce que honnêtement, c'est des lavers, callismat, lavers sécheuses. Au diesel. Non, mais c'est crissement dispendieux comme lavers. Puis tu sais, mon appart, je dirais pas qu'il est... Il est modeste, tu sais. Puis là, je suis là dans ma salle c'est de bain, genre, construit dans les années 70, avec des tuiles tout pétées, genre, puis là, t'as comme... genre, des hosties de monolithes de technologie, genre, là. Puis, en tout cas, c'est ça. Ça fait pas avec l'époque, là, de... Non, ouais. Ben non, c'est ça. Là. Moi, années 70, rendu là, j'aimerais faire que ma maison, c'est Space, space en, Age. En stainless steel, ton... Oh, oui. Oui. Ça, pas une scraper qui scrap, ça. Ouais, non, c'est ça. Faire un peu de sable, ouais. Du stainless. Ouais, ouais, c'est l'extérieur. C'est pas ce qui compte, c'est l'intérieur. C'est vrai, faut qu'elle marche. L'amour, comme un char. Ah, ben ouais. Non, c'est l'amour qui compte. Ça avance, ça recule. Et ça mène-tu de ce point A ou puis jusqu'au point B? Ouais. Ben. T'as passé à la 3, à la 3D print? Ouais, ouais. Oh, man. T'as pu ta laveuse. T'as pu l'extérieur de ta laveuse. Tout le plastique va fendre en deux quand ça ouais. va ben, j'ai... Écoute. wow. C'est 3 imprimés. Ben, ça, c'est vrai qu'au final, parce que c'est sûr, c'est un shell. C'est comme, j'ai déjà fait un ordi dans une boîte en carton, littéralement. Mm. Puis mon ami, il voulait pas l'ouvrir parce qu'il était comme Chris, man, ça va pogner en feu. Je suis comme, ben non, mais ouvre-la, genre, ouvre la boîte Dropé. En carton quand tu joues. Genre. Assurance. Tu sais, Chris. Ah, c'est une photo de ça. Mais en tout cas, bref, j'ai eu une méga fixation. Puis là, comme ma blonde me parlait. M'en doute pas, là. Ma blonde me parlait. Juste là, t'en parles beaucoup, là. Ouais, je me grouille pour finir, là. C'est ça. Ça fait combien de temps que t'en parles? Ah, si, un chrono! What the fuck? Tu chronomètre pour elle? C'est terrible. Combien de temps que je jase? Ah, si, c'est terrible. Moi, j'ai une heure et demie après ça, on joue à Magic the Gathering. Je te l'ai dit. Ah, t'as peu, là. Ah, il aime pas ça. Il a fermé les yeux. Il veut pas. Ça, il a peur. J'ai amené mes cartes par politesse. Il a peur qu'on le détruit, là. Les garçons, on va parler à tour de rôle, OK? Hey, on était nerveux. Hein? Ah, même, ça va être l'enfer. Ben, Kev, il est de même aussi. Là. Ouais. Kev, c'est pas rare que j'ai juste fermé sa gueule. Ouais. Ouais, ben, t'as-tu fini? Ben, je voulais juste dire que, justement, je parlais juste de ça à ma blonde. Puis, elle me regardait, puis je me sentais dégueulasse. Là. Comme, tu sais, quand tu sais que tu parles de quoi à quelqu'un qui s'en calisse. Tu m'en calisse pas. Non, t'écoutes, man. Je suis pas en accord. Puis t'es comme moi, mais je le sais qu'elle s'en calisse, mais j'ai un besoin fondamental de comme le partager. Mm. Que j'ai été faire des recherches pendant 3 heures sur Reddit. Genre, que, oh, Reddit. Mais là, je fais partie de la communauté. Là, ah, t'as rejoint la communauté. Ah, oh, oui, oui, vraiment. Air laveuse. C'est quoi ce Reddit de. Mais hey, ça cause que, tu sais, moi, j'étais un gars de. Je tarte ma brassée, mets mes affaires, c'est fini. Mais là, il y a comme 8000 modes. Ah, faut tous tes essais. Ben, t'as pas le choix, faut que t'apprennes. Hey, je peux partir ma machine à laver avec mon Wi-Fi. Genre à distance avec mon téléphone. Ouais, mais faut quand même que tu mettes ton linge dedans, oui. C'est juste cave, là. Ouais, mais attends. C'est obscène. C'est obscène. C'est pas correct. C'est. Ouais. Si tu traînes ton chien, tu peux mettre le. Tu sais, tu peux le faire, là. C'est un chien, là. T'es un chien? Non, j'ai un oiseau. Ah, oh, t'as des oiseaux, toi, tabarnak. Ben oui, j'ai des oiseaux. Oui. Toi, t'as pas d'oiseau, toi, le pirate? Non. Non, j'ai pas d'oiseau. Tu comptes ma fin de semaine? Ouais, ouais. J'étais là. Ben, je sais. C'est-tu plus intéressant que parler de machine à laver? Tirer du gun. Ouais, on est allé à la Malbaie. Tirer du gun. Essayer d'abattre Kev dans le pit de sable. Puis le tirer. Ouais, ils ont failli réussir, mais je me suis un peu trop débattu. Ouais. Ouais, c'est ça, tu fais. T'avais les. T'avais les blue balls. Ouais, c'est ça. Ouais, on avait les couilles bleues. Ça a été. Fait que on visait mal, tu sais. Ça faisait ses sous, tu sais. Ouais. Non. Si on avait bu de la Blue Dry, un ben trop. Non, mais c'est qu'on tirait des canettes. Ouais, il était ouais. pas cave, tu sais, ils vont pas tirer des canettes pleines. Ben non, c'est. T'es vide. Ben tu l'as proposé, toi, qu'il soit pleine. Waouh, oui, oui. Ben je trouvais ça drôle que ça éclate. C'est drôle de tirer des canettes de bière. Que... Pleine. Pleine, parce que ça explose comme une tête.
de bambin. De bébé. Ben ouais. Voyons. Ouais, comme un ballon. C'est vrai? Comme une tête de bambin. OK. Ouais. Ouais. Mais non, c'est... non, je sais pas. C'est le moment que là, je fais comme ah, ouais, tu sais, c'est quoi une tête de bambin qui explose? Mais oui. J'aime comment ça, Patrick? Leave leaks. Non, ça marche. Ça, c'est le fun d'un podcast quand le genre. Le bully se fait bully. Non, mais c'est pas juste ça. Non, mais que l'autre, il joue au cave. Genre, comme, va chier. Là, tu sais que. Comme, tu sais, justement, que j'aurais pu aller gosser avec ça en faisant comme. Ben oui, t'aurais pu. Mais il y en a qui font semblant qu'ils vont pas exprès, tabarnak. Tu comprends-tu que je veux dire? Oh, c'était beau, ça. Man, fait que, ouais, on était là à la Malbaie. On a fait un show. On a passé le week-end là. C'était cool. Qu'est-ce qui s'est passé à la Malbaie, Kev? Je me rappelle pas. Toi, tu parles de ta fin de semaine. Je vais te parler de la mienne après. Ben, j'étais là. Encore lisse. OK. mais... on sait pas là, qui avait été avec toi. Ouais, on sait pas pour le moment. Ouais. Ils savent pas, eux autres. J'ai oublié. Ah, bon, t'étais dans des restos un peu trop chers. Ah oui, c'était cher, c'était de la stine marde. T'as mangé un resto, t'étais tellement déçu, t'as regardé notre assiette, t'étais déçu, genre t'es comme, ah, oh, j'aurais dû prendre le tabarnak, de la place où je suis allé, il m'a vendu acheter 10 piastres et cubes de parmesan. Tu sais, fondu parmesan. Deux non, cubes. Deux cubes. Deux cubes sur de la roquette. Yo, c'est genre. C'est une épicerie en plus, j'imagine. Hein? Ceux qui sont faits à l'épicerie. Ben oui, j'ai acheté. Parfait, là. J'allais faire l'épicerie, là, deux jours, j'ai acheté les mêmes. Mm-hmm. Moi, j'avais un potage. Moi, j'avais une crème de poulet, moi, par exemple. Elle était bonne. Ouais. Moi, c'était de la calice dedans. Pensais de pogner un fish and chip aussi. T'étais en tabarnak. Ah ouais, c'était de la merde. Pour un capitaine comme moi, ça passait pas le quality test. Non, mais moi, j'ai pris du chili. C'est bon. J'ai dit au gars qu'il était mal habillé. Ouais. J'ai dit son linge. Ben, le gars est arrivé, il a fait ah, oh, ben, des tables d'humoriste, dites-moi de quoi de drôle. Ben, ton linge, il est lait. Non, ok, oui. Non, c'est acceptable. Très acceptable. Après ça, je me suis senti mal parce que j'étais comme fuck, c'est lui qui va faire manger. Fait que j'ai dit, mais ton resto, il est beau. Mal. Non, t'as eu peur de le fond d'ascenseur. Je me suis senti mal parce que j'avais peur, Chris. C'est pas pareil, là. Soit pareil. C'est pas senti coupable. Soit pareil. Tu sais, mettons. Exactement, t'as pas de preuve d'empathie. C'est ça. Non. C'est ça. Fais ma bouffe. T'as peur de la personne. T'as été content de le faire, mais après, quand t'as vu qu'il y avait un abus de pouvoir sur toi, là, t'étais. Ouais. Là, t'as eu peur. Ça m'a été un petit enfant trisomique, t'aurais pas eu cette même réaction-là. Là. Est-ce que t'as de la misère avec la. J'aurais peut-être pas dit non plus. T'aurais-tu le guide d'un petit enfant trisomique, Patrick? Comment? T'aurais-tu le guide d'un petit enfant trisomique? Ouais, Patrick. Absolument pas. Vas-y, c'est drôle. C'est quoi? C'est du monde comme tout le monde? Si tu peux rire d'eux. Oh non. C'est un peu condescendant que tu fasses pas de trucs. Oh my god. Gav, t'avais de l'air d'avoir de quoi d'intelligent? Non, je t'ai dit, Patrick, comme ça, est-ce que t'as de la misère à être en position de vulnérabilité? Au chalet, il n'y a pas de la misère à avoir en bonne position. J'ai fini avec ma fin de semaine. Ouais, ok, c'est bon. T'as fini quoi? J'ai fini ma fin de semaine. T'as fini? Ouais, c'était. Bon, on va dire que j'ai fini. Mais non, le jeu Magic aussi? Oui. Mais là, c'est ça, là, t'es bien bardé sur Magic. Là. Ben ouais, là, j'ai acheté une coupe de cartes, là. Ah ouais, mettons. Ouais, ce gars-là. Ouais. Attends, lui, là, il est là, pis il est comme. Mouno! Non! Mais moi, je vais pas. J'embarque pas là-dedans! J'embarque pas là-dedans! Je vais m'acheter un Commander, pis ça va être ça, pis je vais jouer 20 fois, pis là, ça n'a jamais acheté. Commencé. Non, mais là, l'excuse a été super simple. J'ai un Commander. L'excuse, ouais, c'est exactement ça. Non, mais tu sais, j'ai un Commander, pis là, le problème, c'est quand on était au chalet, Lucas, il a proposé de. Hé, on joue dessus une game normale, genre. Je me suis dit, ah, il faut que je m'achète un deck normal. En standard. Ouais. Fait que ça, j'ai mon Commander, pis j'ai. Mes standards. Chris, ok, quand même. Deux formats en même temps. Ouais. Ben, tu sais, mais si, Chris, mais parce que j'ai pogné le starter pack de Lord of the Ring à 20$. Pas me faire chier, là. Ouais! Attends, le starter, le pre-con Commander? Ouais. Le pre-com? Non, non, ça, c'est pas le Commander, c'est okay. Normal. À 20 les cartes de Dame Galadriel, tout plein de dèches. Ah, Dame Galadriel. C'est ça. Fait que c'est tout, mais là, je suis parti dans. J'écoute des hosties de vidéos de ça, faut pas. Oh mon dieu. Ah, non, c'est la pire affaire. C'est le même, j'ai commencé mon trip de Lego que t'as fait deux semaines. Oui. Ouais, mais moi aussi. Je me suis acheté des Lego, man. Moi aussi, j'ai acheté des Lego. Même ouais. Année, je regarde mes Lego pas finis, puis j'ai fait, hey, j'ai pas le goût des finir. Ouais. Ben, j'étais un homme. Non, c'est fait pour les hommes, les Lego aussi. C'est parce que c'est paresseux. Oui, pas ben vu, oui, là, ils l'ont fait ça, à l'hôpital là, comme épreuve. Là. Mais en même temps, tu vois, justement, c'est comme quand que tu sais, à un moment donné, t'as comme tendu la main pour faire comme hey, Warhammer, tu sais. Il aurait pas fallu. Puis là, on a ouvert la boîte puis on a fait Chris, faut travailler genre, pour. Comme... Ouais. On voulait starter Warhammer. C'est moi qui ai starté comme Magic à eux.
Puis là, maintenant, j'ai fait, ah, yo, Warhammer, ça a l'air hot. C'est comme D&D, Warhammer. Ouais, c'est comme, ben, c'est un mélange de prêt, tu sais, les deux, tu roules des dés, t'avances tes bonhommes, c'est comme un jeu d'échecs, mais. Ouais. C'est pas un échec, tu sais, puis. Ouais. C'est comme, mettons, on fait une table avec une map dessus, mettons, c'est toi qui vraiment fait, comme un custom. Artiste, oh, comme, D&D. Il va faire le terrain, tout. Mm. Puis chaque personnage, les figurines ont des stats, puis c'est littéralement qu'une règle. La distance que tu. Fait dans un sens, quand tu dis D&D, tu voulais dire justement comme 360, puis tu déplaces où tu mais veux. Mais D&D, c'est un jeu de rôle, t'as ton personnage, un chip. Oui, oui, non, mais ok, d'abord, un jeu dans ce cas-là. Hein? Un jeu de rôle. Toi, tu fermes ta calice de gueule. Tu vas continuer, Gab. Là, on parle d'une affaire double, Warhammer. Il y a une affaire double. Il y a un mot de guerre. Là, on parle de guerre. Les néo-nazis, ils aiment full Warhammer. Là, tu vas sortir. 40 000 cas. Ailleurs, il y avait un gars, là, un show, il faisait plein de jokes de nazis. Je me sentais mal. C'était moi. Non, mais il te ressemblait beaucoup. Il a fait voler une de tes jokes, là, j'ai dit. Ah, pour vrai? Non. C'est des pédophiles nazis, mes jokes. Ouais, ouais. Mais ouais, tu vois, un très drôle, par exemple, après un show, tu fais comme, oh, il me semble qu'il y a beaucoup trop de jokes de pédophiles. Ça fait moi, très... ça? Oui. Ouais. hier, quand j'ai fait mon show, là, j'ai niaisé là, une table qui écoutait pas, c'était une date, puis j'allais m'asseoir avec eux autres, là, avec le micro, puis là, tout le monde a applaudi, tout le monde riait à mort, puis là, je leur faisais plein de jokes de pédophiles. Puis à un moment donné, j'ai échappé plein de feuilles à terre, j'ai fait, oh non! Tout plein de jokes sales. Toutes mes jokes de pédophiles. Les pires jokes. Et puis là, j'étais comme, c'est pour ça que je les écris pas dans mon ordi. Ouais, ça, c'est les jokes quand ça cogne à la porte, t'as le temps d'aller les drain. T'as des shitters à côté du carnet de jokes. Comme le maire de Laval, est-ce-tu? Qui ça, le YouTuber? Le maire de Laval. Oh, okay. Non, le maire de Laval, est-ce-tu? Mais juste, c'est quoi, le... Non, c'est pas. C'est quoi le nom? Maire de Laval, là, quand il s'est fait pogner, là, c'est l'ancien maire. Enfin, moi, j'habitais à Laval. Là. Okay. Il s'était fait pogner parce qu'il fait, il fraudait une shit. Là. Puis la police est débarquée, puis sa femme est en train de crisser fucking de cage dans les toilettes flushées. Comme dans Goodfellas. J'ai oublié quoi le nom, man. J'ai sur le bout de la langue. Tu sais, des affreux. Comme Donald Trump. J'ai oublié quoi son nom. Mais tu sais, dans Goodfellas, là, quand la FBI s'en vient, puis il est comme. Donc, la coke dans le bol. L'hélicoptère, tu sais. T'as pas écouté ça. Vous avez pas écouté le Goodfellas. C'est bad. Hey, c'est bad. On a pas compris. Tous l'ont vu, toi? On comprend pas le référent. On le regarde. Oh, non, mais... confus, genre, il est comme. Oh, go on. Jack est là, puis il est comme, ouais, c'est nice. Les boys, Jack, c'est un cinéphile, là. Il adore les. Ah ouais, c'est un bon film, Jack. Yeah. Ouais, non, mais c'est Jack qui est dans le tort, là, je le sais. Ouais. Ma blonde l'a écouté récemment, en plus, pas m'en a parlé. Un des meilleurs Scorsese's. Ouais. Mais bon, c'est correct, vous n'avez pas de culture. Mais parle-moi de Warhammer. J'écoute des Marvel. Écris-moi Warhammer. J'écoute des Marvel. Je le sais. Mon cri, je le sais ce que tu fais. Les camarades, vous n'avez pas de culture, là. Ah ouais, parle-moi de Warhammer, cette crise de lait. De nerd. Ah ouais, le nerd. Bon, tu veux que je te parle de Warhammer? Ouais, tu veux que je raide? Hey, j'aime ça, c'est la vibe du premier épisode d'Intime Conseil. Quand j'ai écrit la description de ce podcast, genre gaslighting et intimidation. Ah ouais. Ah, mais parle de ton show avec Sam Hyde. Ben, je t'allais vous. J'ai vu Sam Hyde. Sur le stage, là. J'étais pas sur le stage avec Sam Hyde, c'est-tu? Bon, fait Gab, parle-moi de. Parle-moi de Warhammer. Mais Pat, paraît que c'est toi qui écris les jokes à Sam Hyde. Ouais. Vas-y. Hey, l'épisode Patreon va être beau. Ben, ah oui, la fois je voudrais rajouter après qu'il a dit que c'était comme D&D, c'est que Warhammer, c'est pas un jeu de rôle dans le sens que tu ne joues pas. C'est un jeu de rôle! Non, un jeu de rôle! Attends, c'est un jeu d'humoriste! C'est la table. Fait tout à l'heure, ce joke! Attends, tourne le micro vers ta bouche. C'est la table que j'ai été chercher. Là, hey, okay, excuse, je me sens énervé. Hey, ça paraît qu'aujourd'hui, j'ai dormi, hein? Un petit peu plus d'énergie. Comme un bébé, tabarnak. Comme un vrai bébé, câlisse. Ça paraît que j'ai fait une petite sieste. Ça paraît que j'ai mangé un petit gâteau au vachon. Si, quand tu dors pas, t'es un peu grognon. Qu'est-ce que tu penses? Bon, Warhammer, pour finir. Tu joues pas un rôle. Parce que c'est ça. Tu joues pas de rôle, tu joues bonhomme. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais, pis là, t'achètes des bonhommes, mais les bonhommes, ils ont des specs, genre, fait que plus tu payes cher, plus tu es fort. Ouais, ben, parce que j'ai acheté un starter kit, pis il est venu chez nous, pis il a fait, hey yo, on check-tu Warhammer, pis là, il est comme, on va checker avant que lui, il en achète, tu sais. Fait que là, on ouvre la boîte, pis là, fallait tout faire, man. Pis c'est long, c'est à peinturer, justement. Mais je pense que ça fait partie du. Oui. Mais justement, c'est pour ça que c'est Magic the Gathering, c'est plus dangereux. Parce qu'il y a le désir d'avoir d'autres cartes. Hey, yo, chercher des cartes. Attends, il parle, là.
Ouais, mais. Ouais, il pointe, t'es d'accord avec ouais, moi? Ouais, mais attends, il parle, bon. Là, on va le laisser finir. Si il me pointe, c'est attends, bon. Attends, ce que c'est... Tu sais, comme dans le Magicien d'Oz, là. Hey, vos astuces de référent de film de Calis, là. Ah ouais, les pieds. Les souliers de. Ouais, les souliers de Ruby, là. Okay, okay. En dessous de la maison, les rétractent, là. Hey, là, faut pas que je parle demain, je vais oublier. C'est un vieux, c'est un vieux. Ouais, mais c'est quoi tu voulais dire? Ben, c'est sûr, je sais plus. Warhammer. Mais y a-tu un Dungeon Master? Y a pas de ça. Non, c'est ça, y a pas de Dungeon Master. Oh, j'ai Warhammer. Non, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Puis, en tout cas, oh oui, je disais, Magic, c'est dangereux parce que t'as le désir d'avoir des cartes de plus. Tu y vas, t'achètes, tu ouvres, t'as le produit fini. Non. De quoi? Non. Oui. Warhammer, t'achètes la boîte. Faut que tu montes le Christ de bonhomme sans péter les hosties d'affaires. Faut que tu le peintures pendant 8 heures. De quoi? Non. Faites quoi, Gab, là, tu te fais disrespect par ce petit con-là? Qu'est-ce qui se passe, là? Tu te fais disrespect par le gars qui... concentré. Juste un nom. De quoi le nom? De quoi? Ça, c'est moi qui essaye de... Non, défends-toi, Gab. Ça, c'est moi qui essaye de pas perdre mon fil. Tu vois, moi c'est ça. Défends-toi. Je l'aurai pas, moi, ce problème avec Magic, parce que je vais pas ouvrir des boosters. Tu fais bien. Pire affaire. Moi, je déteste... On est allé au casino. T'es allé au casino? Ouais, ouais. J'ai haï ça, man. J'ai tout haï. Je mettais 5 piastres dedans. Puis mettons, quand je gagnais une pliage, c'est comme, j'espère tabarnak, j'ai payé 5 piastres. Tabarnak. Genre, ouais, c'est pas ça le jeu. Mais je sais, mais j'ai aucun plaisir. Je suis comme, ouais. Chris, j'ai payé, je veux un produit. Ouais, je fait que mettons, moi, si je paierais pour ouvrir des cartes de Magic, là, ça me ferait chier en calice de pas avoir de cartes que je veux. Ça me ferait juste chier. Fait que moi, juste acheter une carte. Donc, à me gosser. Ben, mais vraiment meilleure affaire à faire, honnêtement, intelligent. Mais c'est hot à voir, par exemple. Tu regardes ouvrir parce que t'as le petit thrill, mais t'as pas dépensé de l'argent. Ouais, j'ai un groupe de Magic, puis au début, quand on commençait tout, on ouvrait, quand il y avait des sets, des box. On achetait toutes des box. Déjà, j'ai été faire une compte de genre 1300 quelques piastres. OK, mais toi, ça? Non, collectif. J'allais chercher tout le monde. Tabarnak. Non. Mais je comprends pourquoi t'as voulu réparer ta sécheuse seule, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça, je suis comme, hey, Chris, cool, il me reste 10$ pour manger, puis j'ai un 40$ pour aller me chercher, genre, je sais pas, moi, fucking Grenabolisher, whatever, en tout cas. J'ai pas compris le référent. J'ai rien compris. Non, c'est pas grave. Les vrais, ils comprennent. Ouais. Baldur's Gate. Baldur's Gate. Ah, okay, quand je parlais de Baldur's Gate, là, puis qu'il me faisait niaiser. Ouais. Je comprends, tu sais. C'est le fun, hein, aimer des affaires puis de faire. Oh, j'aime pas ça. Hein? Non, je le sais, toi, ça paraît. Hey, ça vous tente pas de faire comme GF, il disait, puis juste vous imprimer vos cartes puis vous faire des règles de quel genre de classe de cartes que vous avez le droit de vous imprimer? Il y a raison, mais comme. Ouais, mais c'est de la triche. Ouais. Ben, si tout le monde joue avec les mêmes. Ouais, les vraies cartes. Passe à payer des cartes. Ben oui. Mais techniquement, c'est des vraies cartes, tu sais. Il faisait faire imprimer en Chine, genre. OK, non, mais là, toi, tu parles pas chinois. De... Non, on n'est pas chinois, nous autres. Ils faisaient faire en anglais. Là. Non, mais c'est à cause que qu'est-ce qu'il parle? C'est quelqu'un que Jeff, il est venu. Épais. Ici. Chris d'épais. Vas-tu payer pour avoir des cartes en chinois? Là, je reçois, je suis comme, hey, on Chris. Pourquoi on n'est pas capable de jouer? C'est quoi qu'il a fait à la carte? Je ne sais pas. Elle a l'air forte. Ah ouais. Donne-moi tout ton salaire. Ben, en même temps, je vois que Magic, c'est un bon jeu de... Tu sais... De gens passionnés, tu comprends? Ouais. Tu sais ce que je veux dire par ça? Parce que justement, il y a des cartes que t'en as déjà pognées. Mettons, c'est écrit en Phyrexian. C'est un langage qui n'existe pas, tu comprends pas. Mm. Mais où il y a des cartes que c'est juste l'image. C'est sûr que c'est de l'hébreu en envers. Il y a une personne dans la pièce qui est capable de les lire. Ouais, on. Des juifs? Non. C'est quoi la joke? Il n'y a pas de joke. Il y a quelqu'un qui. Il y a quelqu'un dans la pièce. Attends, Kev nous a embarré dans le local, Jack? Ouais. T'es-tu au téléphone? Ça s'élève pas? Oh, c'est... man. OK, non, faut prendre... T'es en haut, tu descends en haut. Ouais. Sois observateur un peu. Il est capable. Lève-tu? Ouais. OK, ça marche pas. Ouais, il est là. C'est bon. Je l'ai pas embarré, c'est pour la sécurité, OK? Ouais. Non, mais c'est pas si important que ça, là. Quelqu'un dans la cabine. C'est ça. Sauf que t'as fait un documentaire sur le violonneux. Il est pas fou. Qui ça? Il est pas fou. J'avais dit qu'il était fou. Mais moi, j'ai dit un esti de fou, puis toi, tu fais le violonneux. Il est pas fou. Non, j'ai dit, c'est pas parce que t'as fait un défenseur sur le violonneux que le monde veut venir te tuer. Le défenseur, Eric, est aimable. Ouais. Il peut être achalant, mais il est aimable. C'est un homme parmi les hommes. Eric, ouais. Mais il est gay. Ouais. Ben, c'est le violon gay. Ouais. Ouais, moi, il aimait ça quand j'avais ma coupe longueuil. Ben, il voulait la manger. Il était bandé à côté de moi. Ouais, il voulait la manger sur stage, ouais.
Ouais, il voulait manger sur le stage. Une petite vie, à un moment donné. J'ai hâte de raconter ça à mes enfants plus tard. Puis parce que je sais pas c'est qui. T'as-tu hâte de compter? Ouais. T'as-tu hâte, toi, tu vas avoir des enfants à un moment donné, toi? J'ai pas hâte de compter ça. Vont être. Non, non, mais. Ça va tout être sur le web. Moi, airdrop ça dans leur tête, là, les petits tabarnacles. Ils vont être là, genre. Et airdrop! Ouais, ben ça, c'est ça, ça va être le transfert. Moi, t'es un père absent. Moi, t'es un père absent, ça, j'ai décidé, là. Moi, je suis un père absent, là. Ça fait bien. Ben oui, ben gars, moi, là, toutes les filles que je connais qui ont des pères absents, fucking de cash sur OnlyFans, là. Fait que ah, tabarnak. Nice. C'est un investissement, ça. Tu me diras. C'est un bon investissement, là. T'as-tu hâte, genre, mettons, plus tard, t'es comme. Ah, tu veux voir qu'est-ce que papa, il faisait, là, 20 ans, mais. Yo, comment t'as dit ça, là? Non, il est là. Juste voir la petite Florence, genre. Tu te montres qu'est-ce que papa fait? Non, mais Mané va. Oh non! C'est terrible. Mais non, mais c'est parce que Mané, tu sais, hey, je me demande mes parents, tu sais. Il fait. Ouais. Tu sais, mais tu veux savoir, Mané, la vie de tes parents pour. Parce que pour savoir où tu vas, faut que tu saches où tu viens. Ouais. Moi, j'ai demandé une coupe d'affaires à mon père pendant un bout, là. Fait que j'ai appris une coupe de. Mais c'est vrai, c'est ouais. Cool à. C'est ça, à mais. Demander, là. Là, Mané va être comme. Papa, comment. Tu sais, quand. C'est quoi? Tu faisais quand t'étais jeune. Je me dis, ben là, moi, j'allais voir un gars. Comme Magic. Moi, non, je vois Magic. Oh, ouais. Là, j'allais voir un gars. Là, il avait une queue de cheval. j'allais voir un gars qui se faisait jouer du violon sur le gland. Puis à ça, j'allais voir une prostituée qui prend du meth, genre à Longueuil. Tantôt, j'étais dans l'allée du crack. Puis, ouais, tu allais dans l'allée du crack. Ça va être. Ouais, ben. Wow. Ben, honnêtement, je vais t'avouer, je suis pas pour toi, Pat, mais moi, je base pas ma vie sur ce que je dirais à mes kids, là. Ben, moi non plus. On jase. Je pense pas que je leur dirais ça, là. J'essaie de t'intimider un peu, ça. Je pense pas que je dirais de faire la même si j'avais un kid, là. Mais je pense que je serais mon père. Avoir un kid, je pense que je serais mon père, ouais. Ouais, mais moi, j'ai des cousins plus jeunes, mais j'ai des cousins plus vieux. Puis moi, dans les parties de Noël, c'est toujours moi qui m'occupais des hosties de kids, là. Parce que je suis comme dans l'âge entre deux. Ben, c'est seulement, il savait. C'est la façon de dire que tu t'envoyais à la table des enfants, c'est ça, Kev. Je suis comme à l'âge entre deux, genre. OK, ouais. Fait que. Le passeur. Ouais, genre, fait que. Non, mais. Tu sais, mettons, j'avais mon cousin. Mon cousin, il est quoi, genre 6 ans, peut-être 7 ans. Puis là, à Noël, il y a un cadeau, genre de Noël. Tu sais, mettons, il y a un cadeau de Noël à ses parents. Puis là, c'est comme, OK, là, il veut jouer avec le cadeau de Noël à ses parents. Mais moi, j'ai remarqué que je suis plus apprentissage aux kids, genre. Je suis comme, OK, tu veux le cadeau? Ouais. Ben, ouvre-le. OK, là, il y a des batteries. Si ça, faut trouver ça pour les batteries. Les batteries, fait pour les mettre, les mettre dedans. Que tu juges les parents de ton cousin. Non, mais c'est plus comment je. Comment j'ai les jobs, c'est plus que moi, j'ai pas d'enfants, mais je sais que je suis meilleur que vous autres. T'as dû être content, pareil, tu sais, avec la pandémie. Tu sais, le 2 ans que t'avais plus le droit d'être proche des enfants, ça donnait pendant la pandémie. Ça a bien fité. Fait que ça a fucking bien fité, tu sais. Ouais, parce que. Les autres, ils ont jamais eu su à le savoir, tu sais. Il est arrivé quand la pandémie est finie, tous les sex offenders, là, ils ont été safe, là. Ouais, là, est comme. Hey! I'm back, bitches! The easiest 2 years of my life. On a 12 degrés de la cour d'école. C'est vide. Il a la sniffer module. Il n'y a plus personne. Toi, t'es dégueu. Toi, t'as liché. Ouais, là, il y a plein de choses. Là, c'est la joke de trop. Là, ouais, là ça, c'était. Ah, on a du plaisir. Là, c'était pas correct. C'est non. Oui, on a du fun. Calice, non. Non. Ouais. Ça, c'est le commanditaire, c'est El Chipo. Pour le vrai, c'est quoi, El Chipo? Ah oui, c'est les affaires. Fait longtemps que El Chipo. El Chipo. T'as-tu des cadeaux? Fait longtemps. Pas eu. C'est l'année dû pour renouveler le deal. C'est le pire hostie de moment pour faire un placement qu'on parlait de. Ah, tu devais. Tiens, milieu de la discussion sur les accessoires. Parlant du lichage de poteaux dans le cours de récré. C'est ça, là. J'ai déjà. Commanditaire. Ouais, c'est des collectibles, hein? Ouais, c'est 100% pour toi, ce patch. Je te connais, t'es un amateur de collectibles. Ouais. Aucun. Toi, tu es comme. J'ai rien, moi. Oh non, moi. Je suis un collectible guy. Oui, ben, les affaires. Tu parlais de. C'est pas la paix commandite de Chipo, parce qu'à un moment donné, je me souviens qu'à un moment donné, on l'a commandité, puis on parlait genre de de World War II Memorabilia, genre. Fait que d'articles nazis, genre. Oh ou signé. Peu importe, là. Hein? Signé. Signé. Signé, si tu veux avoir. Ouais, anyway. Oh non. Hey, Chipo. Ouais. Hey, il y a 2 cap 15. Dans la description, El Chipo. Moi, je pense des cadeaux. Moi, je pense qu'on devrait mettre ça illégal de slugger les nazis. Ouais. Bon, ben, ouais. Moi, j'aimerais ça. Hein. Ouais. Je trouve, tu sais. Ben, c'est parce que c'est son tough à trouver. Eh, mané, là. Ben, il y en a des fois, ils ont leur petit drapeau, là, ils sont fiers. Ah, il y en a. Ah, man. Genre, yo. Ça serait cool légalement, t'es slug. Juste, hey, vous avez perdu mes calices de non, mais pour vrai, avant, un skinhead,
c'est un skinhead, t'es voyais, c'était identifiable. Mais ils sont comme, ils ont comme smart un peu, genre, pis que là, tu sais plus qui est un nazi. Mais il y en a un qui m'a. Il y en a un pour vrai. Un vrai nazi? Oui! Il y en a un qui m'a donné de la merde sur Internet. Puis là, il s'est mis à dire. Attends, j'ai des screenshots. Attends. Un vrai nazi, c'est ça. Il a dit quoi? Il a dit, j'ai sûr que c'est un nazi, puis je vais te montrer une photo, OK? Mais en vrai, ton rêve, les nazis, ils étaient de gauche. Ah, oh, ben oui. Ils étaient tellement de gauche, ils ont fait le tour, puis ils étaient le gars, il écrit Savard! Contre ton père qui t'appelle Savard! Ça serait weird que mon père, qui a le même nom de famille que moi, il m'appelle par. En tout cas. Chris, as-tu joué dans le même team de hockey que lui? Ça sonne. Continue. Savard! Ultime légume! Avec son masque! Quel minable avoué! Puis il m'avait écrit genre je te déteste! fou comment je le déteste! Puis il y a plein de bonhommes fâchés. Ah, oh, c'est un commentaire en dessous. Ouais, c'est public. Toi, ça me rappelle. Bon, moi, j'ai écrit ta photo de profil. Puis il écrit Ton masque, t'a rétréci le cerveau, le bat de cave. À moins que ton distemper soit terminal. Va voir ton vétérinaire, le mouton. Puis j'ai envoyé cette photo-là. Wow. Meilleure réponse. Mais là, je suis allé voir son Facebook. Ses photos, c'est lui qui est de même. Oh, j'étais ouais. comme, OK, il est spécial. Puis là, je checkais son set de drum. Puis check... Oh non, oui. Non. Oh, oui, il y a un toutou avec... Shit. Il y a un toutou. Ah, mais la bonne. Non, je peux pas le montrer. Non, mais oui, tu peux le montrer. Si tu fais juste une ceinture. Je peux te montrer les croix gammeurs. C'est un toutou avec une swastika dessus. Là. Genre, il se fera pas pick-up par l'algorithme. Là, mais je pense que ça fait un bout que... Ça fait un bout que YouTube laisse les nazis. Là. Non, je pense que ça fait un bout que YouTube, il monétise pas tout. Mais genre, il a écrit H. Ben, je sais pas, 1944. Puis là, la croix gammée, puis c'est écrit Four Sister. OK, mais là, OK, oui. Mais est-ce qu'il est nazi? Ben, calice, non, mais c'est un bon statement. Légitime, là. Non, mais tu sais, c'est peut-être sans blague. Ben, quoi que c'est pire, là. Ok, justement, complètement okay. déconnecté. Comme... Ça a-tu l'air d'un nazi? Ah. Ben, on dirait toi, mais plus vieux. Ah, ta gueule. C'est vrai, dude. On dirait vraiment c'est pas, vrai, Pat. Radio Cab. Radio ouais, Cab. Moi, d'après moi, c'est comme c'est un message. Comme c'est ton toi de futur qui essaie de... Honnêtement, je sais pas s'il est nazi parce que j'ai pas entendu ses propos nazis, mais ça, c'est une chose qu'un nazi aurait. Oh. Le drapeau nazi. C'est carrément drôle, ça. Non, mais je sais pas si c'est un nazi, mais c'est ce qu'un nazi. C'est ce qu'un nazi aurait. Enfin, je sais pas. Mettons. Le commentaire qu'il a dit, c'est très cave, très complotiste. Mais il a pas dit, genre, s'il avait fini avec « sale juif », j'aurais fait « all right, c'est ouais. un nazi ». Tu comprends? Tu sais, les affaires complotistes de même, c'est... Ça, ça m'étonnerait c'est, pas ça, qu'il ça a pas mal toutes des bases antisémites, là. Ouais. Fait que... On parle de l'élite mondiale, puis des banquiers, puis de la finance internationale. C'est ça. Appelle-le. Ça serait drôle, je l'appelle. Ah, ça va! Mais toi, moi, à un moment donné, mon compte a été suspendu sur Facebook parce que j'ai répondu à un commentaire que le gars n'a tellement pas aimé qu'il me report. Wow. Ça m'a banni. Puis le gars, il m'a envoyé chier, genre. Un gros message, genre, fuck you, merde, t'es sale con, genre. Puis j'ai été voir son profil, puis j'ai vu qu'il était à l'école aux adultes. Il a juste répondu, mais au moins, je suis pas aux écoles aux adultes. J'étais allé aux adultes, moi. Puis c'est juste ça que j'ai répondu. Juste dit, mais au moins, je suis pas à l'école aux adultes. Pis. Banni. T'es allé aux adultes, nous autres? Ouais. Ouais. C'est la seule affaire qu'il y avait sur son profil, mais ça l'a tellement trigger qu'il me report, esti. Je comprends, moi avec. Tu aurais fait ça. Toi, t'aurais fait ça aussi. Report? Ben. Kev. C'est... Hey, non, mais le gars, il m'a envoyé chier avant, là. Oui. Chris. Mais il a gagné. T'as été suspendu. T'as perdu. T'as quand même perdu. Mais à quel point c'est été chercher les adultes, là. C'est, je sais pas à quel point ça compte gagner quand t'as report pis qu'une fois sur 20, Facebook, ils ont banni quelqu'un. Ouais. Ben moi, j'ai report le gars, là, que c'est croix gammé. Lui, ça? Ouais, genre, j'ai signalé ses choses. Je sais pas. Ça sera un groupe. T'es où, Jack? Il est parti? Ah ouais, il était tanné, là. Ah ouais? Non, il doit être au téléphone. J'espère. Ben, il est pas dans le podcast, c'est pas grave. Pas grave, il dit qu'il avait rien à faire chez lui. Ben. C'est ça. C'est ça. Toi. Moi, j'ai rien à faire. Pourquoi? J'ai l'impression que je joue Magic. Ouais. Ça a dû bientôt. Ouais, mais c'est ça. Tu voulais savoir c'était quoi l'épisode Patreon?
C'est ce qu'on a fait là, mais pire. Ouais. Derrière un paywall. C'est, fait que, il nous reste à peu près genre 20 minutes, 20 demi-heures de podcast. T'es plus capable? Ah, moi, je connais déjà, man. Tu te souviens bien? Non! Oh non, je suis désagréable. Ah, au geste, oui. Tu me connais quand je prends une bière, je suis désagréable. Ouais, lui, il boit une bière, là, puis il fou raide. Il a de l'air, il est comme les jeunes là, qui se font donner du faux Percocet, là, puis ils sont comme. Oh, dude! Ils se font donner du Ritalin, ils sont comme. Il est là avec sa bière, il a pris une bière, puis il est comme. Fait juste, on fait juste faire un screenshot de lui. Oh oui, on est dans marde. Mais non, t'as eu. Dis pas ça au monde, là. Direct. On fait des commentaires. Mettez votre thumbnail alternatif. Les trois. Ça avait-tu l'air de ça? Ben, on fait le concours du meilleur thumbnail alternatif dans les commentaires. Ça avait-tu l'air de ça? Oh oui! Oui. On fait le voir, là. J'ai vu faire le mettre d'eau, tu sais, il l'a rend. Mais c'était pas ça. Non, mais. Parlait les gars qui font comme ici, qui sont gelés, là. Ouais. Non, je comprends ce que tu veux dire. J'ai vu un. Alors, screenshot, ça va paraître le contexte. J'ai vu un reel. Ah, tu prends la Corribo? C'est bon, c'est pas la Corribo, c'est bon. Non, c'est de la du site de cuivre. Ah, ben, j'avais de la Paps, Blue Ribbon. Comment dit-tu le podcast, Paps? Je suis cool, moi aussi. Faut que tu contactes la madame, là. Ouais, mais j'ai checké. Ouais, mais il m'avait déjà parlé un moment donné, Paps, mais en tout cas. C'est quoi que tu faisais dans ce temps-là, par exemple? Ben, je calais de la bière le matin à 7h, à 8h. Je faisais des shotguns de Paps. Ouais, c'est le genre d'affaire qu'une compagnie de bière veut, genre. Ouais. Paps, toi? Non, mais Paps, ils veulent s'éloigner un peu plus de ça. Là. Oh, un peu plus mais ils veulent se rapprocher des capitaines. Penses-tu? La seule raison pour laquelle le monde boive de la Paps, c'est parce qu'ils ont de l'air un peu moins lame que les autres. En théorie, une compagnie de bière peut... Tu sais, moi, en marketing, on le voit, là, ils sont tellement limités dans ce qu'ils peuvent faire, là, les bières. Là. Ouais. Tu peux pas faire une affaire commencée de toi qui bois une bière et qui court. Là. Eux autres sont dans la marde, ils peuvent pas faire ça. Ouais. Tu peux pas, là, c'est des règlements au niveau de la... genre marathon. Ben ouais, en fait, dans toutes les pubs de bière, il y a personne qui fait aucune activité physique. Ben, il y a juste des chevaux. Non, mais ils peuvent pas... Ils peuvent être sur les chevaux, mais ils peuvent pas avoir la bière et être sur un cheval. Genre, si on a une bière dans les mains, ils ont pas le droit de bouger. Checkerai ça. On va le au bar. Oh, j'ai l'impression que c'est le genre d'affaire qui va gâcher toutes les pubs de bière pour moi. Ouais. Ouais. Où c'est qu'on s'en va? Je vais plus apprécier mes pubs de bière. Mm. De la même façon, man. Tu vas faire quoi? Tu sais, si tu veux prendre entre 3 et 16 bières puis à payer de la machine guillourde. Ça fait pas mal à personne. Non, mais tu sais, Chris, ça va pas vite une machinerie lourde. Mais non, c'est lourd, c'est pas vite. Non, c'est ouais, ça, ça le dit dans le nom. Fait que tu sais, tu pourrais boire. Tu sais, en conduisant ça, c'est pas un char va vite. Tu peux tuer du monde, mais machinerie lourde, un gosse. Mettons qu'il y a un gosse sous en pépine. Et comme Chris, t'as le temps de te rendre compte que t'es un gosse sous en pépine, tu te tasses. Ouais. Hey, si on a des opérateurs de forklift qui nous écoutent, envoyez-nous une vidéo de vous autres au volant de votre forklift t'sais, avec la bière. Tu sais, le gars qui s'était. T'as tagué deux caps, un pod. T'as-tu déjà vu le gars? Le gars, il était genre son death wish, là. Puis il s'est, genre, il a pris genre une pépine, justement, genre un petit tracteur. Puis il l'a blindé. Puis il s'est soudé en dedans. Il était dans le truck. Puis il s'est soudé. Il pouvait plus sortir. Il était blindé. Puis ça a juste arrêté quand il a manqué de gaz. C'était le quad dozer. Le kill dozer. Mais il faisait. Il voulait tuer du monde avec. Non. Il a fait un rampage, mais ce gars-là, c'était. Genre, il était 1000% dans le tort. Là. Il a fait 1000% chier la ville. Puis la ville, il était comme, tu peux pas faire ton hostie cochonnerie de merde. Mm. Il était comme, je vais rampage. Il voulait construire quelque chose. Un genre de truc de death, genre, pour les zombies and shit. Là. Non, il y avait une affaire de permis ou peu importe. La ville le faisait chier. Ben, c'est qu'il chiait dans l'eau courante. Là. C'était à peu près ça. Là. Ah, cool. C'est pas de même que le monde sur Internet le dise, là, mais quand tu creuses. Il a chié dans l'eau courante, c'est comme ça. Non, mais il s'est fâché contre la ville, puis il a fait. Mmh. Ah ouais, vous me laissez pas chier dans l'eau. Faut attention à qui qu'on se frotte. Je vais vous tuer. Et mon puits, ça mérite. Il a détruit le centre-ville au complet. C'est aux États-Unis, ça? Ouais. Moi, je peux pas chier dans l'eau, tu chieras plus jamais de ta vie. Je comprends. Ça va, Gab? Non. Hey, Pat. C'est mieux si tu buvais un autre Monster, vous êtes pas assez énervé. Ouais, ben pour vrai, c'est énervant, là. Qu'est-ce qu'on s'enterre, là? Le studio, on a quand même plus de liberté maintenant dans le studio. Puis tu me demandais d'emmener des affaires. Oui, t'as amené quelque chose?
Ben, en fait, je voulais te demander parce que j'ai un projet puis j'ai acheté le stock pour le faire. Du néon. C'est Warhammer. Du Warhammer. Imagine. Gratuit, tu plais, du néon. Non, mais comme. Non, mais est-ce que tu penses que je pourrais faire. En plus, tu disais que tu voulais des plantes, des affaires, mais tu penses que je pourrais faire pousser des champignons? Hein? Quel genre de champignons? Quel genre de champignons? Champignons. Hein? Genre des champignons. Mais pour ouais. Dire oui, là. Ben, je te dirai oui ou non après le podcast, mettons. Okay. C'est bon, ça? Et pourquoi tu me dis ça sur un ton de même? Mais des genres de champignons. Des gentils champignons. Ton bain, dit quoi là-dessus? Mais genre hein? des chanterelles, genre. Ouais, ouais, bon, genre out. Des pleurotes bleues. Des, ben, des pleurotes, oui, des pleurotes bleues. Tu t'en vas au truc de, à Montréal là, pour les champignons, ben oui. Je m'en vais là. Ah, il y en a plein d'enfants. J'ai supposé commencer parce que j'ai acheté un kit. Littéralement. Il y a aussi un bout de champignons, man. Ah ouais? Ouais, ça fait chier, man. Oh, okay. C'est de la merde. Attends, compte-moi, parce que moi, je m'en vais le faire. Ah, oh, man, mais je me suis pogné un os. Non, je veux pas que tu fasses des champignons. Toi, tu fermes ta gueule, on a une discussion de champignons. Okay? Mais il n'y a pas de champignons Bat, ici. Bat, je te mute. Allez-y, boys. Merci. Yes. Il y a compris. Fait que là, moi, j'ai pogné un. Mais moi, ben, j'avais une serre. Fait que moi, dans ma serre, j'ai fait un tub en plastique que j'ai mis des trous pour l'aération. Ouais. Puis je l'ai mis dedans. Okay. Puis il y avait un ventilateur. Puis là, j'ai acheté un genre kit. Genre ton cake de. Ouais, mais là, j'ai acheté un cake là-bas. Genre, qu'il fallait juste que je fasse un X dedans. Okay. Puis que j'arrose. Puis je le mette. Puis là, ça allait. Mais ça a jamais marché, man. Ça a jamais marché. Ça a pourri avant que ça marche. Ah ouais, je pense que c'était trop humide. Ou c'était trop sec. Un des deux, genre. Ok. Parce faut que ça soit fucking stérile, parce que sinon, dès que t'as des spores dans l'air de quoi que ce soit, ça se craque. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Faut que. Comme, là, dans le fond, j'ai acheté un kit complet. Là, comme, ça a donné que ça faisait un bout de checker ça, puis il y a quelqu'un. YouTube? Tu checkais ça sur YouTube? Ouais. Ah, c'est la pire affaire, man. Moi, c'est ça, Magic. Je regardais des vidéos Magic sur YouTube, puis là, j'étais comme. Oh, man. Puis là, je checkais, puis j'ai vu quelqu'un qui vendait son kit, justement, une serre avec un contrôleur d'humidité, puis un truc pour mist. Oh! Quand l'humidité baisse, ça mist. 120, je pense. Ouais, 120. Lui, après ça, il dit: ah, j'ai pas d'argent. Ouais. Il est souvent son micro? Oh, okay, je pensais qu'il parlait. Je l'ai jamais fermé. J'ai juste mis la caméra sur Pat et je faisais des faces pendant que vous parliez. Donc, ah, c'est parfait. Bon. Ah, non, mais c'est cool. Il y a un bout, je voulais faire plein d'affaires dans ma soeur. Ouais, mais c'est ça. Mais moi, j'ai. Dans le fond, là, j'avais la saga des laveurs sécheurs. Fait que je voulais attendre de tout placer mes affaires. Hey, fais ça dans la vieille laveuse. C'est bon, c'est bon. Mais ah, ça besoin d'un minimum d'oxygène. Fait que. Ben, ça apporte de l'oxygène, aussi. Ouais, mais pas assez. Comme toi-même dit que t'as fait des trous genre dans ton bac pour faire de la réaction. Ouais, mais je suis pas bon. Pogne la tub. Pogne la tub. Ça n'a pas marché non plus. Je suis pas. Clairement, petit capitaine. Ouais, petit capitaine est tout wet. T'aimes ça? On parle de pleura. T'as l'air sale. T'as l'air cave. Moi, j'ai pris des champignons dans un moment donné. Ça commence à kick-in. Oh, man. Fais la face là, du monde fou là, qui prend du Percocet. Là, pis... Il a failli m'avoir. Moi, je prends affaire à le faire et être encore plus raciste. Ah ouais, c'est pas grave, c'est pas ça que je fais. Ouais, c'est pas grave. Le monde va comprendre. Le monde va comprendre que c'est une blague. Ben oui, c'est un monde va comprendre. Hey, c'est pas what the fuck, Kev? C'est ça. Incorrigible. What the fuck? Incorrigible. Hey, what the fuck? Toujours le mot. Ouais. À la plaisanterie raciale. Je comprends. Incorrigible. Incorrigible. Oh, mais il est attaché. On va être honnête. Mais on va être honnête. Le conflit israélo-palestinien, c'est câble. Non, mais Chris, un moment donné. En revenez-en. Là. Ben, moi, j'aime mieux la. Il y en a partout des guerres. Moi, il y en a partout. Ouais, à Louisville, il y en a une. Là, à Louisville, je l'ai vu. C'est quoi ça, les dindes noires. Ouais, c'est quoi ça? Ben, ok, moi, t'as le compté. Ben, j'arrête pas de voir ça sur. Ouais, ben là, si t'arrêtes de parler, moi, le compté. Tabarnak. Okay. C'était ça toute la fin de semaine à Malbé. C'était moi qui essayais de. Mais il y avait beaucoup. Mais il y avait beaucoup, yeah. Beaucoup de call gay, là. Fait que là, attends, je peux-tu compter le gars Gatineau? Une fin de semaine. Ben, parce qu'il voulait rentrer dans ma chambre. Ben, nous, les gars, c'est pas grave. On avait des chambres séparées. Quoi? Puis lui, il voulait rentrer dans ma chambre, puis me chatouiller dans la nuit. Puis moi, j'ai dit non. Puis là, toutes les portes barraient pas, étrangement. Toutes les portes, les poignées étaient enlevées. Weird. Quoi? Weird. Puis là, tout le long de la fin de semaine, ils sont là, ils sont comme, en tout cas, moi, je fais des terreurs, je suis homme dans la bûche, je fais des terreurs nocturnes, ça se peut qu'à un moment donné, je rentre dans ta chambre. Je suis comme, quoi? Man, quoi? Pourquoi?
Je vais te compter Gatineau. Fâché pour vrai. Ben non. Il y a un bout qui était vraiment fâché en fin de semaine. Là. Bon. Vraiment à cause de Tupac. Ah, ouais. Ok, attends. Non. Ok, je le compte. Je le compte. C'est moi qui l'ai dit. Non, c'est lui qui va me faire paraître pire. Il était fucking gelé, ok? Il est fucking gelé. Là, on arrivait au casino de Charlevoix. Fait qu'on arrive au casino de Charlevoix. Là, quand t'arrives au casino de Charlevoix, en haut du casino, il y a comme un hologramme avec des faces. Il y a un projecteur, c'est pas un hologramme, Chris, là. Il y a la fille de Cyberpunk. Il y avait pas genre Tupac qui était là, le 3D. Il y a un projecteur sur le mur avec des visages qui changent à chaque deux secondes, genre de plein de gens, de plein d'époques, genre. Historique. Et marquant. Puis là, Pat, il est comme, Chris, j'ai vu Tupac. Puis là, OK, fait que là... fallait attendre que l'autre ait porté le char. Fait que là, on le regarde. Puis je suis comme, dude, il n'y a pas Tupac. C'est du Moyen-Âge, cette affaire-là. Non, là. Non, c'était pas du Moyen-Âge. C'était pas juste du Moyen-Âge. On a attendu au moins 5 minutes, le temps que le char arrive. C'est pas long. Puis là, ben 5 minutes. C'est des projections de 12, puis c'est pas les mêmes. Des projections, là, à chaque genre 3 secondes, la personne changeait. Fait que là, ça fait 5 minutes qu'on regarde, il n'y a pas Tupac. Fait que là, la personne, elle arrive avec le char, on va au casino. Puis le Pat, il est comme, attends, il y a Tupac, là. Puis là, on a attendu encore un autre. 4-5 minutes dehors. Puis finalement, Tupac était... Il a jamais eu Tupac. Attends, il a pas décroché. Il a sorti son téléphone, il a téléchargé de l'application du casino. Non, Tourisme Charlevoix. Pour nous montrer que dans le programme de projection, il y avait Tupac. Il a jamais trouvé le corps. Non, mais parce qu'à un moment donné, j'ai débuzzé. J'ai fait, hey, ça me tente pas de l'écouter. Non, mais c'est parce qu'il y avait des heures sur le site, les heures que tu pouvais checker la vidéo en live. C'est pas résolu. Non, mais les heures que tu pouvais checker la vidéo sur le site, c'était les mêmes heures que la projection en vrai. Puis quand on est arrivé à la maison, t'es trop tard. Ça finissait à 11. Mais pourquoi il y aurait Tupac à fucking Charlevoix? Il est-tu allé? Chris, peut-être qu'il est allé Carlis des peines. Il y avait c'est des Européens. Gelé. Non. C'était gelé. T'as juste dit, hey, c'est Tupac, ça finit là. Il y avait des Européens sur le projecteur. Pourquoi ils sont allés là? Parce qu'ils sont allés à Charlevoix, Carlis. Peut-être que Chris, ça existait quand que Tupac était vivant. Il est peut-être allé, puis on fait, hey, Tupac. Toutes les projections, c'était comme des gens de la Nouvelle-France, là. Puis j'étais comme, non. Si t'as vu Tupac, c'est pas la bonne époque, man. C'est pas lui. Oh, c'était pas genre, glorieux. Pourquoi ça l'aurait monté à 90 Tupac qui est là? Genre. Non, mais je t'ai dit. Il y avait des personnes. C'était pas. Lui, là, c'est parce qu'il est con. OK? Puis, c'est parce qu'il y avait des personnes. Qu'est-ce que vous êtes à les gars? Pour nos auditeurs, ils parlent de Tupac. Il est en train. Ben, lui, il me gaslight depuis tout à l'heure, là. C'est que. Non, mais il y avait des personnages historiques, mais il y avait d'autres mondes. Que... J'ai jamais vu tout ce monde-là, moi. Parce que tout le long, tout le long, il était là, puis il va juste me regarder. Ben, il n'y a pas de paix, t'es pas de tout paix, t'es pas de tout paix, t'es pas de tout paix. C'est drôle. Non, mais là, j'étais comme, arrête, calme-toi. C'est sûr. Arrête de t'énerver. Il doit être à ça. Mais non, mais il a hurlé. Hey, c'est le pire podcast. Il était vraiment en crise. Non, fait que là, moi, je voulais juste voir Tupac, puis il était comme. Tu sais, comme Kev, il fait. Moi, c'est plus dans un genre. Il n'y a pas Tupac, man. Non. C'est pas vrai. C'est moi qui étais de même, puis il disait, attends, il y a Tupac. Tu fais des clips hors contexte. Non, puis là, moi, j'étais comme, non, moi, j'ai fait, d'où il n'y a pas Tupac. Il y avait Tupac, puis là, quand on est arrivé à la maison, ben, moi, j'ai mis Tupac. J'ai mis genre, Hail Mary. Non, bébé. Quand il est arrivé, c'est comme, fait que tu dis, j'ai débuzzé, c'était pas vrai. Non, mais crème, il y a de la. Crème. C'est sûr qu'il est venu. On écoute du Tupac, là, tu sais. Non, mais c'était au cas où. Au cas où quoi? Fallait conjurer l'esprit de Tupac. Ok, ouais, comme t'allais le. C'est un des meilleurs moments, ça. Ah, ouais. Mais, moi, je tiens mon bout que j'ai vu Tupac, là. Oh my god. Tupac Shakur, au cas où. Oui. Juste préciser. Oh, ouais. D'un coup, que. Un autre. Le gars, il croit pas aux fantômes, mais. Il croit à Tupac. Ouais. C'est dit son nom trois fois dans le miroir, là. Comme dans South Park, il arrive, man, comme Biggie Small. Tant. Fini. Ouais. Mais, t'écris-tu Tupac avec un 2, toi, ou un 2? Non, un 2. 2, un pack? Tupac. Tupac. Ça, c'est Biggie, ça. Tupac. Yeah, la gang. East Coast, West Coast. J'ai des belles années. Ah oh, ouais, moi aussi. Là, j'ai quand même envie de vomir. Ouais. Tout ce talk-là de one pack, two pack, tu m'en questionnes de ton six pack. Ouais. Oh! Lui, il attendait. Lui, ça fait une heure qu'il attend. Alors, peux-tu arrêter de déconner? De quoi déconner? Là, ça déconne, ça. Ouais, il y a un invité. Des questions. Kev, il fait jamais de podcast. C'est de la merde.
podcasts. Qu'est-ce que tu trouves que c'est de la merde d'un podcast? Moi, parce que je sais que tu veux vider ton sac. Là. Tu m'as moi, je trouve que c'est long parler dans les podcasts. Mais moi, j'ai fait une couple d'entrevues radio puis je trouvais ça hot. Ouais. Puis je suis comme, hey, c'est simple. Ça, c'est condensé. Ils t'arrives, des questions. 5 minutes, t'es calice. 5 minutes, tu vends ce que t'as à vendre. Là. Ouais, j'ai un documentaire qui s'en vient. Puis après ça, bye. Ouais. Je trouve que c'est simple. Ouais. Là, à la place, il faut que j'aime tu passes ça. 2 heures de temps à faire semblant d'être ami avec ça. Le monde. C'est ça. Puis là, t'attends ton tour pour parler. Peut-être faire comme, Jerry. Jerry, il fait juste les podcasts quand il y a de quoi à vendre. Là. OK. Alors, Jerry Alain, là, il me contestait. Il disait, ouais, moi, je veux jouer au podcast. Puis là il est parti en tournée. Fait que là, il est allé à d'autres podcasts parce qu'il va, il y a des billets à vendre. Puis, je trouve ça cool. Ben t'sais. Ouais, mais en même temps, justement, tu peux pas faire la run de tous les podcasts. Non, mais il y en a beaucoup, là. Surtout que lui, il y en a déjà un. Ouais. J'imagine, surtout, les podcasts, ça doit devenir répétitif aussi. Là. À un moment donné, c'est comme d'où. Ça fait 4 fois que j'ai la même affaire. Là. Ouais. Ouais, mais à un moment donné, ouais, mais c'est ça, là. Tu roules les mêmes anecdotes à un moment donné. Là. Ouais. C'est quand la dernière fois que t'as fait un podcast? Ça fait 4-5 ans, genre. Mm-hmm. J'ai participé à un podcast? Genre 4-5 ans. Ouais, 4-5 ans facile. Là. Ah, man, honoré. Ouais, ça fait merci. Longtemps. Mais papa, il faisait pitié. Il dit, mais viens, tant, là. Ben là, viens, ma mère, ça fait le podcast. Viens, un chum, là. Ouais. Viens, un chum, là. Ben, c'est plaît, quoi, là. Il me semble que je t'ai aidé. T'étais venu. Ah, parce que t'étais venu quand il y avait personne. Ouais. Au vrai open mic. On m'a plugué ça, tu sais. Fait que viens, un chum. Dans ma soirée, il y a. Viens, aider un chum, là. Ouais. Ah, il y avait juste pas d'humoriste cette soirée-là. Puis là, viens, un chum, là. Viens, mon podcast. Bon. Pat, il a improvisé un bon 15-20 minutes tout seul. Hey, je l'ai pas aidé, là. Non. Il est rentré, puis j'ai fait. Pat, ça va! Là, il est monté sur stage. Il avait encore son manteau. Il a fallu qu'il enlève son manteau. Yo! D'où ça faisait une demi-heure, moi, que. Parce que moi, dans le fond, T'es venu au open mic, non? Oui, il est venu. Oui, il est venu une fois, ouais. Ben, pour ceux à la maison, là. Dans le fond, c'est un open mic show up, go up, là, où est-ce que les humoristes se pointent le soir même. Humoristes, des gros guillemets, là. Le monde qui veut jouer. c'est vrai, là. Il y a du monde qui veut, c'est leur première fois, fait qu'on peut pas. Le monde qui veut essayer le stand-up, il se pointe le soir même pour performer. Puis ça a donné que ce soir-là, après plus d'un an, c'était la première fois qu'il y avait juste une personne. Habituellement, on a toujours 8 ouais, à 10 ouais. gens qui se pointent. On refuse toujours des gens. Et là, il y a comme une tempête qui a fait que ce soir-là, il y avait juste une personne. Mais ceux qui écoutent. Là. Mais le public. Ils sont assis. Merci. Mais il y avait du public. Il y avait du public. Il y avait une quinzaine de public. Fait qu'il y avait du monde. Ouais, et là, j'étais comme. Moi je cancellerais pas un show. Là. Moi, j'ai été voir le gars. Et le gars, il fait tu l'annules-tu? Non, si tu vas faire 15 minutes. Encore lisse. Le gars, c'est comme sa première fois. Le gars, c'est la première fois qu'il faisait plus que 5. Ouais. C'était okay. rough, là. Au moins, il a déjà monté sur un stage. Ouais. Mais il s'est amélioré avec le temps, mais c'est pas, tu sais, mettons, mais j'ai mon carte était rough, très faible. Mais c'était salement drôle. Mes cartes étaient très faibles. Ouais, mes cartes étaient très faibles. Quand t'en as une, là, ouais. Ouais. Ça donne pas beaucoup de mana. Ouais, non, mais c'est ça, là. Ouais. T'ouvres, t'as pas de mana, t'es comme, alright. Bon, ben. Une coupe de land drop. C'est ça, là. C'est ça, tu sais. C'est correct, moi, je suis content qu'il était là. Ben, s'il avait pas été là, j'aurais été dans le marbre. Ouais. Moi, quand il est rentré, ça faisait 35 minutes que j'étais sur stage. Oh mon Dieu, ça. Ouais, moi, j'ai mon timer, j'ai vu, ça faisait 35 minutes, j'ai fait. Je décalisse. J'ai parlé à tout le monde, une à une, je connaissais tout le monde. Pat, il a refait toute la même crowd work après, fait que toute la salle était comme. Ouais. C'est drôle. Non, mais le monde, ça riait, mais là, ça riait de moi. Ouais. Parce que j'étais comme, ah, check le con, il sait pas. Parce que moi, j'arrive comme vous, c'était un couple. Juste avant, on a eu la conversation que c'était. Ah, oh, c'est très drôle. C'était pas vrai. Il y en a un qui disait que c'était une date, que c'était pas une date. T'as tout manqué ça, mais ça, c'était bon. Mec, ouais. C'était... Ouais. Ok, c'est ça. Fait que là, il est là au podcast. Puis là, on t'avait déjà dans le Patreon. Parce que, tu sais, le bout, ça devient instructif. Ouais. Tupac. C'est pas instructif, Tupac. Mais là, ça fait 52 minutes. C'est ouais, combien de temps? Tu veux qu'à l'offre, on arrête. Fait qu'il faut non, faire un Patreon. Non, quelle heure? Il est 8h26. Ouais, je dis ça comme ça. Ben, le patron, c'est pas une demi-heure. J'ai le badon plein de pisse. Ben, c'est une demi-heure, puis moi, à 9h, je décalisse. C'est une demi-heure. Alors, on a embarqué dans des sujets le fun. Ouais. Je sais. Ben, justement. Ben, c'est toi. Si vous voulez entendre les sujets le fun, c'est 5$. Je sais, mais c'est toi. C'est toi qui fait. C'est toi qui a fait. À 9h! Magic! Magic! Ouais, mais là, Chris, c'est pas ma faute, ça prend 20 minutes pour que la machine en bat. Ouais. Ok, mais là, tu reviendras, tu sais. C'est que le calice. Ah non, mais la cloud. Moi, je veux la suite. Non, mais on parlait de quoi d'abord? Là? Ah, podcast. Ouais, enfin, je vais de mon sac. Là, ouais. Là, c'est-tu que t'es laid, toi? Non. Ouais.
C'est vrai. Chris, c'est moi qui tiens le décorum, style de cette crise de podcast-là. Ouais, ouais, c'est vrai. Ben là, c'est vrai que tu mets sur deux, en c'est vrai, ouais, c'est vrai que toi, t'es vraiment habillé en capitaine. Là. Ouais. T'as un code vestimentaire, puis tu l'as pas respecté, non. Chris. J'ai un chapeau. Ben c'est quoi, c'est ouais, lui, c'est le capitaine cool, tu sais. Mm. C'est le capitaine lousse, tu sais. Attends. Lui, il allait voir les. Ouais. Il allait dans la cave après le monde, là, parce qu'il était lousse. Ah ouais, puis là, ils sont quand même. Chris, le capitaine, il est encore chier dans le bois à bac. C'est lui, ouais. C'est le dernier qui faisait son petit caca. C'est comme. Capitaine, il y a des pirates. Qu'on fait quoi? Puis là, il est en train de vomir parce qu'il est sous. C'est Winston Churchill. Il prend une part de cigare, il vomit, il se rince la bouche. Oui, mais je suis cool parce que je leur dis, laissez prendre ce qu'ils veulent, car s'ils volent, c'est qu'ils en ont besoin. Plus que moi. Plus que moi. Moi, je suis dans l'opulence et je suis cool. Je suis un matelot et eux, des pirates. J'ai l'hépatite et je... J'ai une hépatite. J'ai un scorbut. J'ai la tête pleine de plomb. J'ai... Je meurs. Oui, je meurs. Mes plombages sont en plomb. Non. Comprends-tu? Moi, j'ai manqué un bout, là. J'ai déconnecté, genre, 5 secondes. Ah, puis quand je suis revenu, vous faisiez n'importe quoi. Hey, moi, c'est terrible. C'est de l'impro. C'est ça. J'ai compris, mais j'ai... C'était out. Ah, c'est bon, ça. Tu sais, un gars de théâtre, comme ça. Non, non, mais j'ai vu une couple de pièces de théâtre quand j'étais jeune. Ah ouais? J'en ai vu une qui avait un pénis dedans. Ah ouais? Ouais, on voyait la queue du gars. Moi, j'avais un bien gros pipeau la citrouille quand j'étais jeune. C'est quoi, ça? Cave. Non, ma grand-mère, elle me dit que je suis quand même pipeau la citrouille. C'était de shit. C'est quoi, tabarnak? Mais c'est pipeau, la citrouille, elle arrive sur stage, puis moi, je danse en extase. Quoi? C'est ça qui arrive. T'avais quel âge? Ben là... Il manque cette information-là. Non, mais tu sais, j'étais jeune. Moi, dans ma tête, c'est... Genre 19 ans. À 17, là, t'es un enfant, 17, là, big. Ah oui, tu sais, je suis pas encore majeur, là. Pour la citrouille. J'étais là avec mon Gatorade avec la M2, genre. Ouais, avec le tes yeux, il faisait quoi, non? Tu venais d'apprendre c'est quoi le lit, là? Non, proche, mais non. Oh my God. C'est bon. C'est drôle, ça. Ouais. Puis pour la citrouille. Mais juste pour te dire à quel point que j'aimais puis pour la citrouille. Puis aussi, te dire le era. Ouais. Grand-maman m'a dit, tu veux-tu aller voir Jimmy Neutron au cinéma? Ah, ouais, c'est pour la citrouille. Jimmy Neutron? Puis pour la citrouille. La citrouille, man. Mais... Dans le quoi, puis pour la citrouille, quoi. Ouais, mais c'est. Tu veux que c'est comme un adulte avec une face orange, là? Ouais, mais j'ai peur de checker, puis comme que ça réveille de quoi de mal en moi, il check, puis pour la citrouille, puis il éjacule. Il Je parce qu'on aurait pu le mettre dans le podcast. J'ai plein de. C'est le podcast, ça, c'est pas le Patreon. Non, c'est le podcast, mais je parle. C'est parce que j'ai les autres écrans qui sont linkés, puis j'ai pas acheté le bon câble. Ah, bon. Pipo, le rideau c'est tombe malin, sur Pipo la. Oh, ok. Le rideau quoi, tombe? Mais oui, il y a l'air de quoi, Pipo la citrouille? Non. Ah, c'est non. 2016, le rideau tombe. La deuxième création théâtrale la plus jouée de l'histoire du Québec. Aimée au rancard. Deuxième de l'histoire du Québec. Au-dessus des belles-sœurs. Après les belles-sœurs. Quand? Après les belles-sœurs. Aïe, aïe. C'est Pipo la citrouille. Aïe. On montre le pas à Gab, là. Ok, yo, c'est pas une affaire pour enfants, cette affaire-là, là. C'est pour la citrouille. Lui, c'est ça? Aïe, aïe. Oui, c'est. Avant d'envoyer d'autres photos. Yo, je comprends pas c'est quoi. Moi, je m'attendais pas à ça. T'as même mieux celui. Mais c'est quoi l'histoire? Et puis pour la citrouille? Je sais pas, c'était trop envoûtant. Comme. C'est sûr, en fait, ça fait peur. Je sais que j'aime ça, mais je m'en rappelle pas. Puis ça fait peur en crise. On voit rien. Ah ouais, okay. Ouais. Il est dans un potager. Là. Ouais, il potage en esti, cet homme-là. Dans son petit potager, il pote. On va du potager dans le Patreon? Ouais, ben Pipo a citrouille. Ouais. Shout out à Pipo. Pipo a citrouille. Ouais. Je me demande si on est rendu où les enfants étaient à côté de moi. Ouais, là, ils sont adultes, tu sais, puis écoute la podcast. Ouais. Sont comme, il me semble qu'il y a le petit gars qui dansait, là. Ouais, c'est ça, le petit gars qui. On the spectrum. Tout suivi, tout ce que tu avais d'artistique, ils le suivent, là. Oh my God. Ouais. C'est ça. C'est lui qui achète à toi. D'accord. Est-ce qu'on rajoute? Mec, là, on demande ça au producer là, sur l'échelle d'autisme de Gab avec le maniaque fishing. Puis pour la citrouille, qu'est-ce que les c'est? Les laveuses. Et la... Non, mais les sont, des autres. Sont vraiment visuels. Est-ce qu'on rajoute ça à la liste? Ouais. Ouais, mais. On communique avec ses parents pour checker ça de près. Là. Non, mais là, c'était. Non, mais ça grosse question. On fait un podcast avec ta mère. Hey, ça serait bon. Tes parents, en fait. Non. Juste non. Pour qu'on check son état de
Disons, tu sais, pas besoin de ma mère pour crise de tabarnak. Je... On a besoin d'un parent pour savoir si quelqu'un est autiste. Écoute, je pense que. Non, mais c'est un bon épisode. Pas autiste. Trois fois. Je vais te compter de quoi tout à l'heure. Vas-y, compte-le-moi. Bon, hey, on se convoie au Patreon. Oh, yep. Ouais, ouais. OK, all right. Merci, la gang. On s'en va dans le Patreon. On est avec Kev. On n'a pas parlé de tes projets, ça va. Moi, je vous écoute. Ouais. T'as-tu eu du fun, Kev? Un podcast. Oh boy, OK, merci beaucoup. Le crosseur. All right. C'est pas de crosseur, il y aura trop. Il y aura ma face dans le thumbnail. Là, oh, quoi, okay. Ça va être... le monde va l'écouter par Chris. Yeah, il parle pas beaucoup, Chris. Ouais. De quoi? De quoi, hey, de quoi tu parles pas gros? Beaucoup, t'as coupé la parole toute la semaine. T'es complètement...